Si vous l'avez remarqué dans l'introduction, c'est que vous n'avez pas du tout été distrait par les petits chiots, et pour ça, bravo! Pour les autres, nous avons enfin notre nouvelle chape définition, et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment nous avons procédé, mais on va revenir quelques temps en arrière pour vous expliquer d'où on vient. Quand nous avons acheté la maison, nous avons commencé les travaux de démolition pour transformer ça en ça. Nous avions notamment de l'humidité ascensionnelle très importante dans nos murs et nous souhaitions remédier à cela, notamment en travaillant sur le sol. Et donc en janvier 2020, quand nous sommes arrivés au sol, nous avons remarqué que les dalles étaient posées à l'ancienne, à même la terre. Nous avons même découvert une citerne à l'ancienne reliée à un ancien puits de notre cave. Enfin bref, pour repartir sur une basse saine, nous avons creusé ce que nous pouvions. En raison de notre cave, nous étions obligés de remonter le sol et non pas creuser indéfiniment. Nous avons donc rajouté une couche d'empierrement, coulé une première dalle de 10 cm, rajouté 12 cm de mousse polyuréthane projetée afin de bien isoler tout ça, notre chauffage au sol et enfin notre chape de finition afin de venir poser notre carrelage. Et donc aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés à l'étape de la chape de finition. On sent qu'on arrive doucement au bout de notre rénovation et ça nous fait plaisir parce que le poste du sol arrive presque à son terme. Alors ce matin, je viens d'arriver sur le chantier parce que j'ai été faire les courses pour notre barbecue de ce midi et les garçons ont fait les joints de dilatation ici, sur tous les murs, vite fait bien fait. Il nous restera encore plus qu'à mettre ces bandes là. Ici, quand on fera la dalle, pour que la dalle puisse jouer, se dilater comme il faut. Bon, ici, François découpe un peu la pierre du seuil parce que elle dépasse un petit peu et ça crée, comment expliquer ? Un point thermique, le froid passe par la pierre. Oui, donc voilà, comme ça, on va isoler jusqu'ici. On n'aura plus de pot thermique. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais je trouve que ça sent la dalle de finition. Ce matin, on range un petit peu la maison parce que dans 2 jours, on va faire notre chape de finition. Donc voilà, encore une fois, on a mis des petites choses dans le chemin. Donc on va tout ranger et tout nettoyer. Comme ça, on sera bien prêt. Petit coup d'aspi. Je vous prends cette fois avec ma tête de pour vous expliquer tout ce qui va se passer parce que c'est une sacrée organisation. Donc dans la précédente vidéo, vous avez vu qu'on faisait notre chauffage au sol et donc dans la foulée, on doit faire notre chape de finition pour recouvrir les tuyaux le plus vite possible. Il y a quelques jours, François est venu avec son ami Valentin faire les joints de dilatation sur les bords des murs. Et hier, il est revenu avec son papa pour faire le test d'étanchéité des tuyaux. Donc pour ça, ils ont mis de l'eau dans les tuyaux avec un manomètre. Ils ont mesuré la pression et donc du coup, ils se sont bien rendu compte que tout était ok au niveau de l'installation. Aujourd'hui, ils ont placé des bâches au-dessus parce que avec les UV, ils avaient peur que des algues se développent dedans. Donc voilà, tout est bon au niveau du chauffage au sol. On n'attend plus que la chape de finition demain. Mais c'est une grosse organisation parce que on fait la chape nous-mêmes en fait. On fait venir un camion de tout fait, ça sera déjà mélangé, etc. On va le mettre sur notre allée. On a essayé de trouver un maximum de brouettes et de pelles et de bras. Et aujourd'hui, on est en train de tout organiser. J'ai été faire les courses. Je vais essayer de faire un beau ravitaillement. On a cherché après une tonnelle gentiment prêtée par ma cousine d'amour avec un petit chauffage pour la tonnelle. Donc on sera bien parce qu'ils annoncent de la pluie. C'est pas grave pour le béton, mais pour nous, pour être au sec, ça c'est pas chouette quand même. Donc une tonnelle, ça sera bienvenu. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à. On a un chapiste qui va venir faire notre chape. Donc voilà, on lui apportera tout ce qu'il faut. Et lui, il va faire tout ce qu'il faut à l'intérieur, en gros.
Voilà, fin de la première journée, on continuera un autre jour de cette semaine. Donc du coup, le maçon avançait bien, il était bien minutieux, mais par contre, on n'a pas eu assez de matière ni assez de temps pour faire cette partie-ci, sinon il a fait tout le reste. Et alors je vais aller vous montrer par là-bas comment ça se passe, parce que on a eu un petit souci de niveau en fait sur le moment. Le maçon a commencé dans le coin là. Et en arrivant à la porte, il s'est rendu compte qu'il y avait un souci de niveau avec l'alu sodial de la porte, qui n'était pas placé au bon niveau. En fait, donc ça fait depuis le début de la rénovation qu'on avait notre niveau en tête, mais il n'a pas été bien respecté par rapport à la pose du châssis. Donc du coup, on a retiré la chape de finition là, mais sur le moment, on s'est dit bon, bah, tant pis, on laisse comme ça pour le reste, mais ça va pas parce qu'on aura une différence de 2 cm. J'ai pas envie d'avoir une petite marche comme ça pour rentrer dans la buanderie et dans le WC, donc on va voir s'il est possible de faire quelque chose. Sinon, demain, on va terminer la chape. Donc on va voir ça maintenant. Donc là, François a placé son laser, il est en train de vérifier le niveau partout. Ça y est, on est le lendemain et on va terminer cette chape de finition. François est en train d'humidifier pour que ça prenne bien. Sinon, par ici, hier, François a bien cassé. Comme ça, on a bien rabaissé. Ça y est, on s'est décidé. Donc ici, on va remettre la chape de finition, donc stabiliser parce qu'on avait assez gratté. Tandis qu'ici, c'est pas facile en fait de creuser une fois que c'est sec. Ce qu'on va faire, c'est simplement mettre une égaline, ça va être un peu moins embêtant. Donc on va faire un racriage. On va aller chercher les secs maintenant. Ce sera plus simple. Et donc là, François a déjà fait des plots pour faire avancer le maçon. Il va mesurer le niveau et après on va mettre le stabilisé dedans et le maçon viendra faire son boulot. En plus il est super minutieux, c'est gay. En terminant la chape, il nous restait un peu de stabilisé. On a donc pensé faire une dalle afin de fixer notre boîte aux lettres qu'on a notamment reçue à notre mariage l'année passée et qui attend patiemment son tour dans la cave. La pelleteuse est donc sortie de son hibernation et c'est tant mieux parce qu'elle va bien travailler prochainement. Et sur ce, à bientôt pour la prochaine étape qui est l'électricité.